Moi, j'ai envie d'évoquer la possibilité aussi qu'il y ait une sorte de trou noir à l'endroit où des hypersensibles qui donc ont une capacité de sentir ce que l'autre voudrait et veulent correspondre, c'est pas tout les hypersensibles, mais il y en a quand même une bonne partie, je pense, qui sont branchés sur ce désir de satisfaire pour vivre l'harmonie et ne pas sentir le contexte se détériorer ou le conflit arriver. Et donc si on met deux personnes l'une en face de l'autre et qui veulent faire ça pour l'autre, on se retrouve dans une zone grise où on ne sait pas ce qui se passe. Si on rajoute à ça les attentes supposées qu'on suppose de, je ne sais pas, moi, la maîtresse quand on est en classe, la société quand on est citoyen, ainsi de suite, on va essayer de coller à des attendus. Et si on est plusieurs à le faire en même temps, en fait, personne ne se rend compte parce que personne n'a dit qui il était. Et tout le monde essaie de coller à ce qu'il devrait. Et donc, on est dans un trou noir à cet endroit-là pour moi.